السلام عليكم ورحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا
من كتاب الله فلن به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي والدارمي. وقال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني. وقد سألت شيخنا عبد الله السعد عنه فقال لا بأس به. نعم الحديث هذا حديث معروف عن المسلمين عامة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، وكما هو معلوم حسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء في سيئتي فلا يجزى إلا بها أو غيرهم. ولكن قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حتى نتأكد أن كل حرف هو المقصود، الحرف من حروف الهجاء اللغة العربية هو المقصود بالحديث. أنا شخصيا لا أعرف حديث إذا قام به بعمل به المسلم، أي مسلم يقوم بتطبيق هذا الحديث يعني تأتي الحسنات بسهولة، يعني أسهل ما يكون. سورة أسرع سورة في القرآن ما هي؟ أصغر صورة في القرآن كوثر، إن عندك كوثر ثلاث آيات، ثلاث آيات فقط. إذا قرأها الإنسان مرة واحدة في كل حرف له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الفاتحة، الفاتحة سبع آيات، نتكلم عن البسملة فقط، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تقول لكم فرنسا صلى الله عليه وسلم celui qui lit une lettre du Coran il a une hasana et chaque hasana est multipliée par 10. Je ne dis pas alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Donc bismillah ar-rahman ar-rahim du surat al-fatiha, il y a combien de lettres? 19. 19 fois 10 ça fait 190. J'ai pas osé compter le reste parce que rien que ça, ça me suffisait. 190. Combien de fois dans la journée vous lisez sur le Fatiha? Au minimum, obligatoirement, 17 fois par jour. Quel musulman il a le droit de sur le Fatiha 17 fois par jour, le jour et la nuit. Fadal Ali, la aqal chi. Il a quel rak'a fait le Fatiha. Et tu as le nom, 17 fois par jour, le Fatiha, le jour et la nuit. On fait 17 raka'at par jour, obligatoirement. Ceux qui en font plus, ils en ont plus. Mais le minimum, c'est 17 raka'at. Et à chaque raka'at, on est obligé de lire sur le Fatiha. Et dans sur le Fatiha, il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et il y a 19 lettres et 190 hasanat. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, en plus de vous donner la récompense de la prière, il y a la récompense de ce que vous lisez pendant la prière. Eh bien, c'est comme s'il te disait, oh mon serviteur, prends, par obligation, prends ces hasanats. Tu es obligé de les prendre. À chaque arcane, tu prends les hasanats, tu es obligé de les prendre. C'est pas que tu les prends de plein gré. Tu prends une récompense de contre l'autre, sans savoir ce que tu récoltes. Beaucoup de gens lisent sans vraiment, même s'ils connaissent le hadith, ils ne pensent pas vraiment au hadith pendant la nature. Mais en y pensant, on a envie de lire encore plus. Alors si on n'a pas lu que le Fatiha, mais pendant la prière, est-ce qu'on lit que le Fatiha? On rajoute toujours au moins un, deux, trois versets derrière. Juste la Kawtha, par exemple, trois versets. 17 fois. Celui qui lit plus, il a plus, et ainsi de suite. Et celui qui fait une prière sur le rogatoire, il a encore plus. Et celui qui lit Ayat Kursi après la prière, il a encore plus. À la fin de la journée, il y a combien de hasanat? Ça se compte en milliers. Pour ceux qui ont un wird quotidien, donc ça se compte en millions. Et à la fin du mois, c'est en billions, c'est plus en milliards. Ça serait pas décent de compter. Donc, à la fin de la hasanat, ça c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Comme on nous facilite l'acquisition de la hasanat. Allah Azza wa Jal
رحيم ولطيف بعباده. لذلك يعني فتح لنا أبواب لا تعد ولا تحصى للفوز بالحسنات، وكل ميسر لما خلق له. Chaque personne, Allah lui a facilité une porte de bien, celle pour laquelle il a été créé. Il y a des gens, Allah leur a facilité la lecture du Coran, d'autres gens, Allah leur a facilité les aumônes, d'autres gens, Allah leur a facilité de faire beaucoup de prières, d'autres gens, Allah leur a facilité de rendre service aux gens en général, c'est une porte de bien. D'autres gens, Allah leur a facilité la bonne parole, d'autres gens, Allah leur a facilité de faire la da'wa, d'autres gens, et ainsi de suite. Chacun, il doit avoir ce pourquoi Allah il l'a créé. C'est-à-dire, quel chemin il t'a facilité. Une fois que tu as compris quel chemin Allah il t'a facilité, il faut investir dans ce chemin à fond. Si c'est le Coran, vas-y à fond. Si c'est les aumônes, vas-y à fond. Si c'est la bonne parole, vas-y à fond. Si c'est rendre service aux gens, vas-y à fond. Si c'est juste te taire et te préserver, de dire du mal des autres, vas-y à fond. C'est la meilleure porte. C'est une porte qui brûle. Une fois que la personne est comme ça, ça brûle les hasanats. Donc rien de plus facile pour un musulman lorsqu'il n'a pas la langue occupée ou le cerveau occupé à réfléchir à des choses et qu'il est présent. C'est lire le Coran, tout simplement. Tu connais pas le Coran, allez, tu connais le Fatiha, tu peux le lire 10 fois, tu peux le lire 100 fois. Tu connais le Coran, tu connais pas le Coran, tu peux le lire 10 fois, tu peux le lire 100 fois. Si tu as un hadith qui dit que tu n'as pas le droit de lire 100 fois sur le Coran, il n'y a rien. Il n'y a pas de prescription. C'est le Coran. Si tu connais que ça et tu ne sais pas lire ta bande de Saf, ne sais pas Kharij. Quand tu as le Fatiha, le Coran, tu es désolé de lui. Et c'est des cartes qu'on peut nous mettre à l'eau, car là, quand tu fais des essais, on se fait des cartes, tu fais 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 des رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. حديث essentiel de hadith de la dernière de la conférence il y a deux semaines ou trois semaines, mais comme le on a pas beaucoup de temps, on n'est pas arrivé au but du sujet. Le but du sujet, c'était d'inciter l'entendeur à ouvrir le livre intercesseur. Qu'est-ce que le livre intercesseur? C'est le Coran. Et pourquoi il intercède? Parce que le prophète l'a dit dans ce hadith, il dit « Lisez le Coran car il vient le jour du jugement dernier intercéder en votre faveur. » Celui qui le lit le jour du jugement, il intercède en sa faveur. C'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est quelqu'un qui demande pour vous le pardon d'Allah Azza wa Jalla. On va redescendre un peu dans la dunya. Aujourd'hui, quelqu'un a une affaire à régler au tribunal. Il a beaucoup d'argent à perdre si il ne gagne pas cette affaire. Donc, il va se trouver un avocat. Est-ce qu'il va prendre n'importe quel avocat en sachant qu'il a beaucoup à perdre? Non. Il prendra le meilleur qu'il va trouver. Ce meilleur, est-ce qu'il sera gratuit? Non. Il sera payant. Est-ce qu'il sera comme les autres? Non. Il sera plus cher que les autres. Est-ce que ça va le déranger de le payer? Non. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il perd, il va le perdre gros. Donc il choisit le meilleur avocat et il le paye au prix le plus fort pour gagner les choses de la dunya. Quelque chose d'ici pas de ce monde. Alors que le jour du jugement dernier, c'est pas on a
grand, on a quelque chose de grand à perdre. On a tout à perdre, tout à gagner. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Et dans la Sunna du Prophète, il a été cité beaucoup d'intercessions. Il y a beaucoup d'intercessions. يوم القيامة حين يحتاج المسلم إلى الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كثير من الشفاعات ومن الشفعاء يعني الشفاعة تختلف وهي متنوعة ومن الشفاعات شفاعة القرآن وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين وشفاعة الآباء والأبناء ولكن هل فعلا نتدبر هذا الحديث كما ينبغي نحن نحتاج يوم القيامه الى شفيع كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عشر مرات حين يصبح ومات بيومه شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ومن صلى عليه عشرا حين يمسي فمات على ذلك شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يوم القيامه والذي يقرأ القرآن يأتي القرآن شفيعا له يوم القيامة فما بالك لو كسبوا بانسي كي ميور avoir un avocat ici pas pour des choses mondaines ou quelqu'un qui intercède en votre faveur le jour du jugement dernier quand vous avez tout à gagner ou tout à perdre. Non. تعليقكم في الحديث إثبات للشفاعة يوم القيامة على اختلاف الشفاعات والشفعاء. الشفاعة لا تكون إلا للموحد، أما المشرك فليس له شفاعة. Les intercessions, bien sûr, elles sont différentes, elles sont nombreuses, mais tout le monde n'en bénéficie pas. Celui qui bénéficie de l'intercession, c'est celui qui meurt sur le tawhid. Il a dit يموت على التوحيد. لم يشرك بالله شيئا هذا هو الذي هو المقصود به الشفاعة أما المشرك هل يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيه القرآن أو يشفع فيه أحد لا يشفع فيه أحد حتى لأن الشفاعة أصلا حتى إذن الله حتى الشفاعة يعني ليست مضمونة إلا بإذن الله تعالى الله عز وجل هو الذي يأذن للشفيع بالشفاعة فيه المسلم ويقول هنا أما المشرك فليس له شفاعة كاين بعض الناس يحفظون القرآن كاملا لكن هذا مشرك العبادة هل هذا سيشفع فيه القرآن؟ لا لأن القرآن كما سيأتي حجة لك أو حجة عليك يعني جان كونيس القرآن باركور مي زون دي زاكت لاسوسياسيون سواء سي بار لا كرويونس دون لي زاكت Ils ont de l'association. Est-ce que l'intercession, est-ce qu'ils ont le droit à l'intercession au jugement dernier? Non, ils n'ont pas le droit. Elle est réservée simplement aux gens qui sont morts sur le tawhid. Et à personne d'autre. Parce que celui qui meurt sur l'association, toutes les bonnes œuvres qu'il a faites sont déjà sont annulées, elles ne sont pas acceptées. Parce qu'elles n'ont pas été pour Allah, comme on l'a dit hier, pour qu'un acte soit accepté, il faut qu'il soit d'abord exclusif, sincère pour Allah, et qu'il soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si bien à la base, il a pris, je ne sais pas, le Coran, il fait des bonnes œuvres, mais pour autre qu'Allah, الحديث الرابع مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن
مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. نعم، المعنى متفق عليه، معنى متفق عليه. Qui c'est l'événement? Qui même? On désigne deux personnes en fait. Mokhari ou Muslim. Et là, c'est le mot Muttafaq alayhi, le hadith fi Mokhari ou fi Muslim. Alors, on a un Muttafaq alayhi. Ce hadith, on l'a vu la dernière fois, ce hadith, Allah Azza wa Jalla fait une analogie entre celui qui lit le Coran et celui qui ne lit pas le Coran, qu'il soit croyant ou hypocrite. Et l'analogie qu'il fait, c'est avec des choses. Des fruits, des choses, des végétaux. Donc, le premier, c'est le croyant qui lit le Coran. Il le compare au cédra. Le cédra, c'est un agrume. Un agrume qui ressemble au citron, mais il est très gros, comme ça. Hein? La peau très épaisse, le fruit est tout petit au milieu. Hein? Bon, à l'époque, les gens, ils en faisaient de la confiture. Maintenant, si c'est rare dans le bassin méditerranéen, vous avez l'agriculture intensive, je pense que c'est des mandarines qui le mangent, etc. Mais le cédra, il était très répandu dans tout le bassin méditerranéen. Donc, il dit, il a une bonne odeur, pas le croyant, le cédra. Et il a un bon goût. Mais il le compare au croyant qui lit le Coran. Et le croyant qui lit pas le Coran, il le compare à la date. La date est sucrée, mais elle n'a pas d'odeur. Puis l'hypocrite qui lit le Coran, il le compare au basilic. Il a une très bonne odeur de basilic, la plante aromatique. Mais au goût, il est amer. Et l'hypocrite qui ne lit pas le Coran, il le compare à la coloquinte. La coloquinte, c'est un cucurbitacé. C'est quoi un cucurbitacé? Non. Pas de gras, citrouille, comme les citrouilles, les courgettes, tout ce qui pousse à ras le sol. Ce qui font du jardin, de quoi je parle. Donc la coloquinte, ça ressemble à une courgette ou à comment ça s'appelle, une petite citrouille, ou un potiron, mais tout petit. Je me rappelle qu'à l'époque, ils en mettaient sur les ronds-points pour Halloween, pour décorer. Hein? Ça ne se mange pas, ça. C'est un goût amer. Et ça n'a pas d'odeur en plus. Ça, c'est l'hypocrite qui ne lit pas, qui ne lit pas le Coran. C'est comme ça qu'il l'a comparé tout le sens. Qu'est-ce qu'on remarque entre ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas? C'est l'odeur. L'odeur. Le croyant qui ne lit pas, il a dit comme la date. La date est sucrée, mais elle n'a pas d'odeur. L'hypocrite qui ne lit pas, c'est comme la coloquinte. Elle n'est pas bonne à manger, mais pareil, elle n'a pas d'odeur. Mais les deux qui disent, que ce soit l'hypocrite ou le croyant, qu'est-ce qu'ils disent? Le Coran. Qu'est-ce qui se dégage? La comparaison, c'est l'odeur. Le premier, il n'y a pas que l'odeur, il y a le bon goût aussi, parce que c'est un croyant. Le croyant, quand tu traites avec lui, il ne va pas te voler, il ne va pas te mentir, il ne va pas tricher avec toi. C'est ça qu'on peut dire du croyant, contrairement à l'hypocrite. C'est pour ça qu'il a comparé basilic, le goût, il est amer. Parce que l'hypocrite, quand tu vas traiter avec lui, il va te mentir. Il ne va pas respecter sa parole. Si tu lui laisses un dépôt, il ne va pas tenir son engagement. S'il donne des rendez-vous, il n'est jamais là. Ça, c'est l'hypocrite. Mais, parce qu'il est le Coran, il a comparé au basilic et à la colonne. Donc, qu'est-ce qui est meilleur? Le meilleur, c'est le croyant qui lit le Coran. Mais, tout de suite, il y a bien sûr le croyant. Même s'il n'est pas le Coran, parce que le croyant, il est toujours bon dans ses relations avec les autres. Là. الحديث الخامس أجر الماهر للقرآن والذي يتتعتع فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وأهل السنن. نعم. حديث aussi celui-là on l'a vu la dernière fois, c'est celui qui excelle dans la lecture du Coran, celui qui lit sans tromper, il ne fait pas d'erreur, il lit bien avec les règles et tout. Celui-ci, le jour du jugement dernier, est avec les anges qu'on appelle les Safara al-Kiram al-Barara. Et celui qui lit le Coran en ayant des difficultés et qui quand même fait l'effort de lire même s'il se trompe, etc., celui-ci a deux récompenses.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a la récompense de la lecture plus la récompense de l'effort qu'il fournit malgré la difficulté qu'il trouve. Alors, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un sort du ventre de sa mère en excellant dans la lecture? Personne. Donc, pour accéder au premier degré, il faut obligatoirement passer par celui qui a été cité en dernier, c'est-à-dire la difficulté et fournir des efforts pour ensuite être excellent dans, que ce soit dans la mémorisation ou dans la récitation. C'est pour ça qu'il est très important d'être sous la tutelle d'un professeur lorsque vous voulez apprendre le Coran. J'insiste là-dessus, car c'est ça la sunnah. Le professeur sunnah, Jibril al-Assad, il n'a pas donné un livre de tiens à apprendre tout seul. C'est lui qui lui disait le Coran, le professeur se mémorisait, et Allah Azzawajal s'occupait de la mémorisation. Pour le professeur al-Assad. Et les compagnons, eux, ils écoutaient le professeur al-Assad et ils mémorisaient. Ils récitaient pour mémoriser. Et Tabirin, il a pris les compagnons, et ainsi de suite, de bouche à oreille. De bouche à oreille. Jusqu'à un moment où il y a eu les Corans qui ont été écrits, édités et ils se vendaient. Avant, il y avait des khatat, on appelait ça khatat, on lui donnait de l'argent, on lui dit, est-ce que tu peux me copier ce livre? Tu peux me le copier. Ah, les gens, ils ont copié le Coran. Et ceux qui apprenaient directement le Coran, lorsqu'ils lisaient, on les reconnaissait. On les appelait Mus'hafi. Parce qu'il a pris dans le Mus'haf. Pourquoi on les reconnaît? Parce que l'écriture du Coran, il y a des lettres, elles sont écrites, on ne doit pas les prononcer. Il y a des lettres qui ne sont pas écrites, on doit les prononcer. Donc si la personne, elle s'appuie que sur le livre, elle fera obligatoirement des erreurs. Mais si elle apprend auprès d'un professeur, elle ne commettra pas d'erreurs. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre le Coran avec un professeur. الحديث السادس فضل قراءة القرآن في الصلاة. لا فقط تعليق. ما هذا التعليق؟ تعليق. الماهر بالقرآن والحاذق المتقن الذي قرأ القرآن ولا يلحن ولا يتردد فيه ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. والذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران، أجر بالقراءة وأجر بتتعته في تلاوته وبشطته. نعم، سجل الجزء تفضل. الحديث السادس فضل قراءة القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. رواه مسلم. طيب ce hadith aussi, on l'a vu la dernière fois, c'est le hadith du prophète alayhi salam. Il dit aux compagnons, est-ce que vous aimeriez, ou est-ce que l'un d'entre vous aimerait, lorsqu'il retourne chez lui, trouver trois chamelles bien grasses et en plus portantes, c'est-à-dire elles sont enceintes, des chamelles bien grasses, grandes et enceintes. Et pour eux, c'était leur richesse, c'était ça, c'était les chameaux, c'est ça leur richesse. C'est ça leur bétail. Donc, comme au Maghreb, par exemple, vous trouvez le bétail le plus répandu, ce sont les ovins, les moutons, etc. Il y a capra, tout ce qui est chèvre, etc. Dans le région, c'est plus les chameaux, c'est leur richesse. Encore une fois, ça se dit trois chamelles bien grasses et en plus portantes, ça se compte en millions, enfin, pas millions de longs, millions de centimes. Pour eux, qu'est-ce qu'ils disent? Les compagnons disent « Non, dis-lui, nous aimerions bien trouver cela. » Et qu'est-ce qu'il leur dit à ce moment-là? Il leur dit « Trois versets que vous lisez dans votre prière est meilleur pour vous que trois khalfat edam, c'est-à-dire trois chamelles bien grasses et portantes. » Ça veut dire quoi? Trois versets. Trois versets seulement. Et dans le fait, il n'y a rien, on en a déjà sept.
Il y a une petite sourate, elle fait trois versets. C'est plus trois, ça fait 10. Ça, c'est une raka'a. Tu répètes les deux. Pour la deuxième, ça fait 20. Laisse compter, ça fait 20 chapelles. Bien grâce, importante. C'est-à-dire que c'est meilleur que ça. C'est une richesse bien meilleure. Ben, tout ça pourquoi? Est-ce que c'est un acte qui est difficile à accomplir? C'est un acte qui est facile à accomplir. Comme lorsqu'il a dit, celui qui lit une lettre de Coran, il a une hasna. Et chaque hasna est multipliée par 10. Est-ce qu'il a dit qu'il fallait lire tout le Coran? Non. C'est-à-dire qu'il a laissé le champ libre. Et là, lorsqu'il cite trois versets, c'est-à-dire c'est le minimum. Parce que quand ça fait trois versets, c'est le minimum. Donc qui peut en faire plus, aura plus. Et ça, c'est toute la sagesse du prophète Al-Sahar. Comment il facilite les choses aux musulmans. Et même le plus feignant, le plus paresseux des musulmans, il peut quand même se retrouver dans la sunna du prophète et dans les, à faire des bonnes œuvres. الخلفة اللغة العربية الخلفة هي الناقة الحامل نعم الحديث السابع فضل الذين يعملون بالقرآن عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم وأحمد والنخعي Donc là, le hadith d'après Nawas ibn Sam'an, le prophète a.s. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah à dire, on apportera le jour du jugement dernier un Coran et les gens qui l'ont mis en pratique. Et devant eux, il y aura Surat al-Baqara et Al-Imran. Et pour vous décrire la scène, il décrit les deux sourates, comment ils vont apparaître devant les gens. Il dit, et il les a décrits de trois manières que je n'ai jamais oubliées. Il a dit, on dirait deux nuages, ou alors deux ombres, ou alors deux groupements d'oiseaux. Vous voyez les oiseaux quand ils s'envolent tous ensemble. On appelle ça l'arabe al-hizq. Donc là, c'est en français, pour les abeilles, on dit un essaim. Je ne sais pas si c'est aussi ce qu'on dit pour les oiseaux. Mais voilà à quoi il les accompagne. Il a dit comme deux groupes d'oiseaux devant les gens qui l'ont mis en pratique. Et pourquoi ils sont là devant eux? C'est pour prendre la défense des gens qui l'ont mis en pratique. Pour ceux qui les ont appris par cœur, sur le Baqara et Al-Imran. Donc, en plus de l'intercession du Coran en général, comme on a vu tout à l'heure, le hadith l'a dit, ذكرنا قبل قليل, فيه شفاعة القرآن عامة, وهنا شفاعة سورة البقرة وآل عمران يعني خاصة, زيادة على شفاعة القرآن. Juste un mot, le Coran, il vient aussi intercéder en la faveur de ceux qui les ont mémorisés, mais qui les ont mis en pratique, qui ont mis en pratique le Coran et qui ont mémorisé le Baqara et l'Imran. Pourquoi il dit ça pour ça? Pour encourager une partie de la communauté à apprendre sur le Baqara et l'Imran. Les compagnons, ils disaient à l'époque, pour nous, celui qui avait appris le Baqara, il avait un statut spécial dans la communauté, juste sur le Baqara. Maintenant, aujourd'hui, dans la communauté, il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur. On ne les considère même pas. On ne les respecte pas, on ne les considère pas. Alors qu'à l'époque, les compagnons disaient, celui d'entre nous qui avait appris le Baqara, pour nous, il disait que c'était quelque chose. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل المدرجة طيبة الطعم وطيبة الريح ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كمثل التمرة الطيبة الطعم ولا ريح لها رواه البخاري. On avait vu tout à l'heure concernant donc, de l'analogie entre le croyant qui lit le Coran et celui qui n'est pas le Coran, et puis les fruits, etc. C'est une autre version, le présentiel il vient et il dit voyez Amadoubi. Il dit celui qui, le croyant qui lit le Coran, qui le met en pratique. Et ça vient appuyer ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'intercession elle est valable que pour. تعليق قال ابن القيم أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن قام حروفه وإن أقام حروفه إقامة السنة زاد المعاد. Là, vous nous voyez, vous avez une très très belle parole qui vient éclaircir, qui vient éclaircir les musulmans sur une chose qui sont Ahl al-Qur'an, qui sont les gens du Qur'an. Pour la masse des musulmans, celui qui a pris le Qur'an fait partie d'Ahl al-Qur'an. Quand il y a un Qur'an, on a Ahl al-Qur'an. Là, mais vous nous voyez, Ahl al-Qur'an, c'est ceux qui ont connaissance de ce qu'il y a dans le Qur'an. Et qui met en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Pour l'instant, on ne parle pas de mémorisation. Connaissance de ce qu'il y a dedans et mise en pratique de ce qu'il y a dedans, même s'ils ne le connaissent pas par cœur. Quant à celui qui le connaît par cœur et qui ne l'a pas compris et qui ne l'a pas mis en pratique, celui-ci ne fait pas partie des gens du Coran, même s'il le lit avec la perfection. Donc la mise en pratique, elle vient toujours comme condition pour bénéficier de l'intercession du Coran. Le hadith le 8, « Fadl qira'at surat al-Baqarah fi al-bayt » An Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala « La taj'alu buyutakum maqadir » إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من تدبر هذه الأحاديث يفهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تشجيع المسلم على عمل الخير ويفتح له كثير من الأبواب الخير. انظروا هنا قال le professeur Asselin dit ne faites pas de vos demeures des tombeaux. Le shaytan fuit la demeure dans laquelle est lu sourate al-Baqarah. Moi ça fait un petit peu ce hadith parce que il est important, il nous montre un petit peu la manière dont le professeur Asselin encourage le musulman à faire des bonnes œuvres. Regarde, tout d'abord il dit ne faites pas de vos demeures des tombeaux. Qu'est-ce qu'on fait dans les tombeaux? On fait quoi dans la tombe? C'est silencieux. C'est silencieux. On n'entend rien. Hein? On est mort. Non, nous, qu'est-ce qu'on fait dans la tombe? Une fois qu'on est mort, on fait quoi? On fait rien. Tu ne peux plus œuvrer. Une fois que tu es dans la tombe. Ça y est, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Pourquoi dans le Coran, à chaque fois, et c'était celui qui est dans la tombe, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à revenir pour faire juste une ombre. Il sait combien le monde, une fois qu'il est dedans, il sait combien le monde peut rapporter. Donc quand on est dans la tombe, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus œuvrer. Et c'est pour ça qu'il dit, ne faites pas de vos demeures des tombes. Vous venez à la mosquée, vous lisez le Coran, vous assistez aux assises. Ça veut dire que vous avez dit, vous avez dit, vous avez trop de temps. Chez eux, ils font plus rien. C'est ça. Si tu fais rien, c'est une tombe.
on n'y fait rien. C'est-à-dire, il ne faut pas d'acte religieux. Il ne fait pas d'invocation, il ne fait pas de roi à la maison. Il n'y fait plus rien. Il mange, il dort. C'est une tombe. Vu qu'il n'y a pas de bonnes œuvres qui sont rapportées. Il ne fait pas fructifier son temps. Donc le prophète Hassan, il dit, faites pas le feu de l'homme des tombes. Ben, on fait quoi alors? Il nous aurait dit, lisez sur le papa. Ça fait long quand même. Ben oui, mais il y a une récompense à dire. Qui aimerait savoir, je ne sais pas, les chez lui dans sa demeure. Mais là, il est bon. Quelqu'un il aimerait savoir que je ne sais pas dans sa demeure sans qu'il ressente un dégoût, un rejet. C'est pas normal, plutôt des chez moi qui sont fait chez moi. Personne. Personne ne demande, je ne sais pas chez lui. Personne. Et c'est pour ça qu'on va de donner la solution. Ne faites pas de votre demeure, des tombes. Je vais vous dire quoi faire. Et en plus de ça, vous aurez plus chez pas chez vous. Si vous faites cela, c'est quoi? C'est l'irsol qui va pas. Il dit, c'est la demeure dans laquelle il est élu, soit qui va pas. Je sais pas, mais rentre pas dedans, tout simplement. J'ai quelques problèmes à la maison qui rentre, il toujours se parle. Quand il est là, il est tranquille. Dès qu'il rentre, les enfants qui crient, la femme n'est pas contente parce que dès qu'il a 14 ou 15 ans, il a mal parlé. Il a claqué une porte, je ne sais quoi, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire à cette femme, cet homme-là, qu'est-ce qu'il doit faire avec le sang de Mara pour retrouver la sérénité chez eux, parce qu'il y a un problème. Je ne sais pas, il y a la maison. والبستي هذا خشدي
C'est la même chose. Quelqu'un qui se plaint de maladies occultes, etc., il connaît pas Aïr Kursi. Il a des paroles sous couche. Il connaît ni ses invocations du matin, ni ses invocations du soir. Rien du tout. C'est comme quelqu'un qui sort à moins de 10 degrés, le torse nu, qui ne vient pas se plaindre s'il attrape les francs. Le pneumonique, hein, c'est la même chose. Que le musulman, il vient demander d'apprendre. C'est une obligation pour le musulman. Par la volée, les farines, la tombe, la volée, les rapports. Chacun se lance son degré. Il faut fournir l'effort. Parce que celui qui fournit l'effort, Allah, il le facilite. Allah, il le facilite. Là. Le hadith du Tazien. فضل الجاهل والمسر بالقرآن. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد. وقال أبو عيسى الترمذي: حسن غريب. صحح الألباني. نعم، هو اسمه النسائي وليس النسائي كما يقول بعض الناس بفتح النون النسائي. دونك هذا الحديث للبروفيس صلى الله عليه وسلم دي celui qui montre dont on entend la lecture du Coran c'est comme celui qui montre son ombre. Celui qui cache plutôt qu'il dit à voix basse c'est comme celui qui cache son ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, les savants, ils ont détaillé le hadith. Là, فصل عليه. قالوا هذا ليس على ظاهره لعامة الناس. كالصدقة. أفضل الصدقات ما هي؟ صدقة السر. لكن أحيانا يستحب إظهار الصدقة لتشجيع الناس على هذا الفعل. كما في الحديث. Donc le meilleur des zones, c'est les zones cachées. Mais parfois, il est recommandé de montrer le mot pour que les gens fassent de même. Comme dans un célèbre hadith. Donc, c'est pareil pour la lecture du Coran. Si, et là je citerai l'imam Nawawi, rahimahullah, dans son livre Tibia du Fiyad al-Hamaj Burhan, d'ailleurs qu'on verra, inshallah, dans le prochain séminaire. Il dit, si la personne, son intention, c'est de faire écouter le Coran aux gens pour leur faire le parler, pour qu'il leur soit bénéfique, à ce moment-là, il peut lire à voix haute dans ce but-là. Si par contre, il sent que son intention va être faussée par une certaine autosatisfaction ou de l'ostentation, ce genre de choses-là, à ce moment-là, il est meilleur pour lui de lire en voix basse. Donc c'est toujours l'intention qui vient derrière pour nous dire soit la personne elle lit à voix haute, ou la personne elle lit à voix basse. C'est pareil pour les hormones. Si la personne elle sait que si elle montre son hormone, elle va être tachée par une ostentation, la cache. C'est la meilleure chose à faire. Si par contre, c'est dans une assemblée, je ne sais pas, il y a un pauvre qui passe, et vous savez, aujourd'hui, les pauvres, maintenant, on est un peu radin. Parce qu'on voit, on voit qu'il y en a beaucoup, et on croit que c'est devenu un métier. Ça l'est pour certains, mais pas pour tous. Ça l'est pour certains, mais pas pour tous. Et on a tendance à se retenir de donner de l'argent. Alors, si vous voyez quelqu'un dans le besoin, il y a du monde, et vous voulez donner pour encourager les autres à faire le même, si c'est cette intention qui émane du cœur, à ce moment-là, vous faites comme ça. Si vous pensez que vous allez être touché par l'ostentation, à ce moment-là, vous cachez votre problème. J'aimerais quand même souligner ça. يحتاجوش المال، يحتاجوا الأكل وكذا، يجيبوا لهم الأكل حتى يقضوا عليهم، لكن أحيانا لا يستطيعون أخذ الأكل هذا، ويحتاجوا إلى المال، تعرفوا علاش؟ لأن المبيت لا تضمنه له الدولة، فيستأجرون
الفنادق لأن لا يستطيعون الإيجار مثلكم. هذا الإيجار يحتاج إلى عمل وشحال كتشد في الشهر وديك راسهم دنبوك لا يستطيع عندهم الفنادق والفندق والطرف كل اللي لازم تخلص. الناس يحتاجون المال وغتشوفوا موقف في الفلوس وكذا يوميا مثلا لأن فعلا عندهم يحتاجون إلى المال فلا تترددوا حتى يوم أو جوج أو خمسة يعني ضربها في يد الله ولا تضربها في يد الخلق. نعم. الحديث العاشر حب استماع القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليك القرآن. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا النساء. فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعا تسري. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هذا الحديث عظيم. توفى صلى الله عليه وسلم توسع عبد الله بن مسعود كي نوعكم الدين المساجين الله عليه الصلاه والسلام ما دونونا دو ليغ القران. Je lui dis alors, ô messager d'Allah, je veux que je te lise le Coran, alors qu'il t'a été révélé. Qu'est-ce qu'il dit au Prophète ? Il dit, j'apprécie l'entendre d'autres que moi. Il aime l'entendre d'autres que lui. Et là, il dit, j'ai lu donc son ordre jusqu'au verset 41. J'ai levé ma tête. Ou quelqu'un m'a fait signe de lever ma tête. Ça, c'est Cheikh Ferrari, au Ramazan. Il dit puis j'ai levé ma tête et j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam avec les larmes aux yeux. Parce que ce verset-là, il le concerne lui personnellement. Non. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce hadith ? Qui est le prof, qui est l'élève ? C'est le professeur, l'élève, c'est le monsieur. Et il lui demande quand même de lire le Coran, pas pour le corriger, mais parce qu'il aime l'écouter d'autres lieux. Donc c'est une sunna aussi à mettre en pratique. C'est bien de lire, mais c'est aussi bien d'écouter. C'est aussi bien d'écouter le Coran. Et les gens, ils disent, ils n'écoutent jamais. Ça, c'est un petit conseil aux gens qui connaissent le Coran par cœur. Il y en a beaucoup, ils n'écoutent pas d'autres lecteurs, récitateurs. Mais ils préfèrent, il faut écouter. Pourquoi ? Parce que le prophète aimait écouter le Coran. Et là, il lui dit, veux-tu que je le lise alors qu'il a été révélé ? Il a dit, allez, 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 فليس بالضروره لقراءه ولكن يستطيع الاستماع لغيره. الحديث سياتي في روايه اخرى سنستفيد منها كذلك في اشياء اخرى. اذا وقعت صوره النساء ولماذا توقف عند هذه الايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه يقول له حسبك الان قد بارك عليك هو اللي هز راسه لمسؤول القراءه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم دموعه تسيل يعني يمكن لأنه هو المقصود فكيف إذا جئنا بك يا محمد من كل أمة بشهيد أو فعفوا كيف جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم مشهد يوم القيامة فلذلك بكى خاصة تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم دخل دعوة خاصة لنا يوم القيامة. Mais Ali Sansan, il a gardé un doua pour nous le jour du jugement dernier. Qu'Allah Azza wa Jal, il a exaucé tous les prophètes, il leur a
ils leur ont donné des doigts et ils ont demandé, ils ont été exaucés. Sauf que le prophète, il s'est gardé un doigt pour nous, le jour du jugement. Et c'est avec ce doigt qu'il va intercéder en notre faveur. Et donc là, ce qu'il a, lorsque nous avons décidé de verser, le prophète a s'est rappelé justement de la scène du jugement dernier, et c'est pour ça qu'il a pleuré. Donc là, l'écoute et l'attention du prophète, du Coran, c'était une écoute avec une méditation. Et quand il s'est mis à méditer pour lui, il a ça, la science. Il y a beaucoup de gens qui lisent les écoutes du Coran, mais complètement. Tout le monde connaît le Coran. Oui, non. C'est quoi ça en même temps? J'ai besoin d'un peu. C'est quoi ça en même temps? Et beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi ça en même temps. Ça en même temps, ils ne savent pas c'est quoi. Ou alors ils vont se tromper. Surtout les arabophones. Ou le ça en même temps, le sorot. Là, ça en même temps, il a dit, il est le chalam, il est le hajam. Ou le maqsoud. عند الحاجة والصمد هو الله عز وجل لأن هذه سورة نقرأها كل يوم وكثير منا لا يعرف معناها مش عيب عيب ولا مش عيب نحن من نعبد نعبد الله عز وجل وما نعرف ما نعرفش اسمه ما نعرفش اسمه الصمد ما نعرفش معنى هذه الصمد عيب ولا مش عيب إذا قرأوا في التفسير حتى ولو وإن لم تقرأوا في التفسير كاين بعض المصاحف فيه معنى الهامش غير معنى الكلمة معنى تاع بعض الكلمات دون سيغتان مصحف بوجه التفسير دون سيغتان مصحف دي فوا سور لا مارج هي ليكسبليكاسيون دو سيغتان مو غير كسا سي بوكو كومبروني بوكو دشوز اون ليزون جوست لا جوست سي شوز لا نعم قلنا الفصل الثاني الآداب والأحكام الحديث الحادي عشر ارتباط صاحب القرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل رواه البخاري وأحمد واللفظ للبخاري نعم d'après Abu Huraira, le prophète عليه الصلاة والسلام dit il y a de jalousie de nombre de choses. Un homme à qui Allah a donné le Coran et il le lit de nuit comme de jour. Et son voisin l'a entendu lire et il a dit oh, si seulement j'avais comme avait un tel, j'aurais fait comme lui. Ou un homme à qui Allah a donné richesse et il dépense sa richesse jusqu'au dernier centime dans le bien. Et un homme l'a vu faire et dit « Oh, si j'avais comme un tel, je ferais comme lui. » Mais la jalousie est interdite dans l'islam. Le hasad, haram, mais juzou, puis dinina. ولكن المقصود هنا بالحسد لأن اللغة العربية غنية وقد نستعمل بعض الألفاظ ومعناها يختلف معناها تختلف الحسد المقصود هنا هو الغبطة اسمه الغبطة سي با اون موفيز جالوزي نابل سا الغبطة فوالا c'est-à-dire qu'il n'a pas dit, parce que la jalousie c'est quoi ? La jalousie c'est le fait de souhaiter que le bien fait sur quelqu'un il soit effacé. Lui, je ne sais pas, il est riche, il a une belle maison, etc. Quelqu'un qui est jaloux, il ne souhaitera pas avoir la même chose, mais il souhaitera que lui il soit ruiné.
Les autres tombent par terre. C'est ça que j'avais dit. C'est-à-dire souhaiter l'annulation du bienfait sur quelqu'un. C'est ça la vraie jalousie. Le répétant, c'est quoi? Le répétant, c'est souhaiter la même chose pour soi sans forcément souhaiter du mal à la personne. C'est-à-dire, on lui souhaite du bien, on lui souhaite la baraka, en même temps, on aimerait bien avoir la même chose. C'est pas mauvais, ça. Hein? D'accord, c'est pas quelque chose de mauvais. Humainement parlant. Et pourtant, c'est interdit aussi. Sauf pour deux choses. C'est interdit en islam, sauf pour deux choses. Les deux choses qu'on vient de citer. Quelqu'un qui est acquis à la zone de la haine et qui le lit de jour comme de nuit, on peut souhaiter avoir la même chose, pour faire la même chose. Ou quelqu'un qui a la zone de la richesse, il dépense tout. Parce que là, il a dit, Si seulement j'avais la même richesse que lui, j'aurais fait comme il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé tout ses biens, toute sa richesse dans le bien. C'est ça qu'il souhaite lui. Il souhaite faire comme lui. C'est pas avoir la richesse pour la garder ou pour s'enrichir. Non, non, non. Et ça, c'est autorisé. Ça, c'est autorisé. Ça veut dire quoi? Pourquoi le prophète ici ces deux choses-là? Parce que c'est des choses gratifiantes dans l'islam. العمل الأول والثاني يعني عمل عظيم في الإسلام قراءة القرآن آناء الليل والنهار آناء النهار وإنفاق أو يعني هلكة المال في الحق حتى لا يمكنه شيئا هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تذكر الحديث حينما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نصف ماله ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله قال له ما تركت لأهلي قال تركت له الله ورسوله هذا أنفقه أو أهلكه في الحق كان ضل حديث وعمر بن الخطاب جاء يدير لعمر جيت سعر الشيس عنه إلى بخزنة الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كيف إلى عمر دود سعر الشيس Il dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il dit, je vais laisser là-bas et son messager. C'est tout. Il a tout donné, fils et fidèle. Ces gens-là, on peut avoir envie d'être comme eux. Mais ce n'est pas suffisant de se dire, ah, j'aurais bien aimé être comme eux pour avoir le statut qui est cité dans le hadith. Enfin, on a vraiment envie. Vous savez que le jour du jugement dernier, quand on ouvre nos parchemins, dedans, il y a des choses qu'on n'a jamais faites et qui sont écrites. Vous saviez ça ou pas? Pourquoi elles sont écrites? Justement, celui à qui on ouvrira son parchemin, il trouvera du hajj, il trouvera des omrous, il trouvera du jihad, il trouvera plein de choses, alors qu'il ne les a jamais faites. Il demande à son Seigneur pourquoi ces choses-là sont-elles écrites dans mon parchemin. Et Allah a lui dira, pourquoi elle est aussi? Parce que tu as souhaité les faire sincèrement si tu avais eu l'occasion ou l'opportunité ou la possibilité de le faire. Donc c'est tout dans la sincérité. Ceux qui souhaitent vraiment faire la chose, même s'ils ne peuvent pas, dis oh, Allah, si je pouvais faire ça, je le ferais, le fait. Et de souhaiter sincèrement, là il écrit. Même s'il n'a pas fait. الحديث الثاني عشر كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استجار وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح رواه ابن ماجه وصححه الألباني فقدرت حذيفة رضي الله عنه وكيل المحفظة صلى الله عليه وسلم أبحيه لذلك لزي أبرسي وليا الميزيكورد il demandait cette miséricorde. Lorsqu'il disait un verset où il y a un châtiment, il demandait protection contre ce châtiment.
lorsqu'il disait un verset où il y avait la grandeur d'Allah Azza wa Jal, il faisait le tasbih. C'est pendant la prière. Les savants ils disent, ça c'est pendant la prière, surérogatoire, pas obligatoire. هذا الفعل كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته النفل لماذا سيأتي ذلك في الحديث في الرواية التي بعدها اقرأها حتى وعنه رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي جنب الإمام أو عفوا الذي يأتي بجنبه أحد هو منفرد وإلا صلى خلفها لكن صلى بجنبه هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده إذا كانت صلاة نفل وليست فريضة ولذلك قال العلماء هذه سنة مستحبة عند النافلة أو في صلاة التراويح الإنسان إذا قرأ بعد الفاتحة آيات فيها رحمة يسأل الله تلك الرحمة آية فيها عذاب يطلب الله يستعين بالله من هذا العذاب وإذا مر بآيات فيها يعني تنزيه لله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو هكذا يقول سبحان الله يقول سبحان الله هذا من السنة نعم دونك دون سو الحديث البروفيسور صلى الله عليه وسلم كما جو ديزي plus dans la deuxième version, il dit, Hudhayfa, il dit qu'il a prié aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a prié aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prié déjà tout seul. Donc ça peut être une prière surérogatoire. Et donc il a prié auprès de lui, à côté de lui. Et il a dit, lorsqu'il passait sur un verset de châtiment, il demandait protection. Et lorsqu'il passait sur un verset de miséricorde, il s'arrêtait de lire et demander cette miséricorde. Donc ça, c'est une sunna à mettre en pratique lorsque l'on prie une prière surérogatoire ou lorsque l'on prie une salat à taramiyah. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala, et on reprendra après la salat à la rassemblée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez les garder pour après, vous pouvez les mettre sur un papier, inshallah, et les poser sur le bureau, je tâcherai de les prendre. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته